Pour résumer là où le point où on en est maintenant dans le cours de cosmologie, j'ai introduit la notion d'expansion de l'univers, la notion de facteur d'échelle. On a écrit les équations de Friedmann-Lemaître qui décrivent la manière dont l'évolution du facteur d'échelle est liée à ce que contient l'univers. Et j'ai aussi parlé de dilution, de la façon dont les densités des différentes composantes de l'univers varient au cours du temps. Et si on met tout ça ensemble, on est arrivé aux équations de Friedmann-Lemaître. Une des équations de Friedmann-Lemaître, celle qui nous donne la valeur de A point sur A. La première des équations de Friedmann-Lemaître nous dit que A point carré sur A2, c'est égal à 8 pi g sur 3 fois rho, moins k c carré sur A2, plus lambda c2 sur 3. Ou dans cette équation, rho ici, ça désigne la densité des différentes composantes. Ça peut être la matière et le rayonnement essentiellement. Ça, c'est le terme qui vient de la courbure de l'espace-temps. K peut valoir 0, plus 1 ou moins 1, suivant que l'univers est courbé dans un sens ou dans l'autre, ou qu'il est plat, si K égale à 0. Et ça, c'est le terme de constante cosmologique. Et on a vu comment est-ce que rho peut dépendre de A, comment rho évolue quand l'univers s'expand. Et on a vu par exemple que pour la matière, rho m, ça s'écrivait rho m0 fois a puissance moins 3, où l'indice 0 qui est ici indique la valeur actuelle, et où j'ai pris la convention que je vais conserver tout au long de ce cours, la convention que petite a égale 1 aujourd'hui. Et ce que je vais appeler aujourd'hui, moi, ça va être à t égale à 0. Attention, hein, t égale à 0, ce n'est pas une origine, quoi que ce soit, c'est vraiment le temps actuel. Aujourd'hui, on a à t égale 0 et on a à t égale à 1, par convention. Donc voilà, comment évolue la densité de la matière. Et pour le rayonnement, je vous avais mentionné et j'avais fait une petite démonstration montrant que ça évoluait plutôt en a puissance moins 4. Le facteur a de différence ici vient du terme de décalage vers le rouge que subissent les photons du rayonnement, en plus de l'aspect dilution. Quand on met tout ça ensemble, on voit que, on a un moyen de calculer A en fonction du temps. Ça, c'est une expression qui fait intervenir A point sur A. Là-dedans, il y a du A. Donc tout ça, c'est une équation sur A et on peut espérer la résoudre. Je l'ai fait dans des cas vraiment extrêmement simples, pendant les épisodes précédents. J'avais considéré qu'il n'y avait qu'une seule composante. J'avais dit, s'il n'y avait que ça, ou bien que ça, voilà. Et j'avais indiqué comme ça les solutions qu'on trouvait. Ce que je vais faire aujourd'hui, l'objectif de l'épisode que je vais développer maintenant, c'est de s'intéresser à des cas un petit peu plus complexes dans lesquels il y a plus d'une composante. Donc on va essentiellement résoudre l'équation différentielle qui est ici, alors pas dans le cas général, pas dans le cas où on a tout, parce que ça on ne peut pas le faire analytiquement, on peut le faire numériquement, j'y reviendrai tout à l'heure, mais analytiquement c'est pas possible. Donc je vais m'intéresser ici à des cas dans lesquels on peut résoudre analytiquement, mais qui sont un petit peu plus complexes que juste une composante. Et c'est pas juste pour l'amour des maths, c'est pas juste pour résoudre une équation différentielle. On va voir qu'effectivement, s'intéresser à un univers dans lequel on garde que deux composantes, c'est en général une hypothèse qui a du sens physiquement, qui a un intérêt. Par exemple, on sait qu'il y a une phase de l'univers pendant laquelle c'est le rayonnement qui dominait, donc on pourrait ne considérer que ça. Quand on veut étudier la transition avec le moment où la matière domine, on a ces deux composantes-là finalement qui sont effectivement importantes. Et il se trouve que dans les moments où au moment où ces deux composantes-là, matière et rayonnement, sont importantes, il se trouve qu'on peut négliger ces deux-là. Donc en fait, considérer que ça et ça, ça décrit de manière assez précise une des phases de l'univers. Il se trouve aussi, ça j'aurai l'occasion d'y revenir, qu'on vit dans un univers dans lequel ce terme-là semble être nul. Toutes les mesures indiquent qu'effectivement, toutes les mesures sont compatibles avec le fait qu'on soit dans un univers qui est plat. Et enfin, cette composante-là ne devient dominante que tardivement dans l'histoire de l'univers, à une époque où le rayonnement, lui, est devenu complètement négligeable. Donc quand on veut étudier les époques relativement récentes de l'histoire de la cosmologie, il suffira de considérer le terme de matière et le terme de constante cosmologique. Donc voilà, il y a dans toutes les étapes importantes de l'histoire de l'univers, il n'y a que deux composantes à considérer. Et il se trouve que dans ces situations-là, dans beaucoup de ces situations-là, on peut effectivement résoudre l'équation de Friedmann-Lemaître. Bon, ça c'est le programme. Avant de m'attaquer vraiment à la résolution de l'équation différentielle qui est ici, je vais la réécrire sous une forme qui est un petit peu plus agréable à manipuler. Ça ne va pas être de la physique, c'est vraiment des notations, mais vous allez voir,
D'une part, qu'elles sont intéressantes, c'est pour ça que je les fais, mais en plus, elles sont vraiment omniprésentes. Dès que vous ouvrez un livre ou un article de cosmologie, vous allez tomber non pas sur ça, en gros, mais sur les notations que je vais introduire maintenant. Les notations, c'est les suivantes. On définit tout d'abord ce qu'on appelle une densité critique, que je vais appeler ρ c. Donc on l'appelle la densité critique. Et on la définit de la manière suivante. C'est une quantité qui est telle que H0 au carré est égal à 8πg sur 3 fois ρ c. H0 ici, c'est la valeur actuelle de la constante de Hubble. Et si on veut une interprétation physique de cette grandeur, qu'est-ce qu'elle représente physiquement? Ben, en fait, vous voyez que c'est la densité qu'il faudrait mettre ici pour qu'aujourd'hui, donc avec H égale H0 ici, on ait K égale à 0 et lambda égale 0. Je vais le redire autrement. La densité critique, c'est la densité d'un univers qui est plat et sans constante cosmologique et pour lequel la constante de Hubble actuelle vaut H0. Donc voilà, c'est la densité qui rend l'univers plat aujourd'hui. Elle est critique dans le sens où si la densité est légèrement inférieure ou légèrement supérieure à ρ c, on passe d'un régime dans lequel la courbure a un signe à une situation dans laquelle la courbure a l'autre signe. Voilà. Donc K est égal à 0 sans constante cosmologique pour ρ égale à ρ c, et selon que ρ est plus petit ou plus grand que ρ c, on a K qui vaut 1 ou moins 1. Bon. Donc en tout cas, on peut aussi le prendre juste comme une définition, pourquoi pas. Voilà, on a ρ c qui est défini comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on mesure. Ça, c'est des grandeurs qu'on mesure aussi. Donc. Et alors, si je prends donc les valeurs mesurées pour H0, ça, j'en ai parlé dans un cours précédent, et je mets là-dedans la constante de la gravitation de Newton, on trouve ρ c. Alors, si on veut le mettre en termes de kilogrammes par mètre cube, ça fait quelque chose de l'ordre de 10 moins 26 kilogrammes par mètre cube. Alors, c'est pas tellement éclairant, c'est petit, mais voilà. Ça représente ça à peu près 6 masses du proton par mètre cube. Donc voilà, ça correspond, cette densité critique, à 6 protons par mètre cube. Et du coup, alors la raison pour laquelle on introduit ça, c'est qu'on va prendre l'équation de Friedmann-Lemaître qui est ici, cette définition-là, et je vais en fait diviser ça par ça, diviser l'une équation par l'autre, et introduire les notations qui nous intéressent là-dedans. C'est parti. Je vais le faire directement sur la ligne qui est ici. Donc je divise ce terme-là par H0 et celui-là par 8πg sur 3 fois ρ c, et on trouve H2 sur H0 carré est égal à. Les 8πg ici se simplifient dans lui, donc ça donne ρ sur ρ c, moins 3kc2 sur 8π grand g sur ρ c fois a2. Et le a2, je vais le mettre sous la forme a-2 ici pour vraiment le faire apparaître clairement. Et ici, lambda c2, le 3 ici se simplifie avec celui-là sur 8πg ρ c. Et encore une fois, pour rendre les choses très explicites, le ρ qui est ici, je vais l'écrire comme ρm, ρ de matière plus ρ de rayonnement. Parce qu'on aura besoin de la manière dont ce terme-là évolue en fonction de A. Et ces deux composantes-là ont des évolutions différentes en fonction du facteur d'échelle. Donc ça va être plus simple de le mettre comme ça. Et du coup, le ρ qui est ici, je vais l'écrire plutôt ρm sur ρ c. Plus ρ r rayonnement sur ρ c. Voilà. Cette quantité-là, la densité ici par exemple de matière divisée par la densité critique, ça on lui donne, c'est ça qu'on adopte une notation particulière, pardon, pour ça. On le note ça grand oméga petit m. Et ça s'appelle un paramètre cosmologique, un des paramètres cosmologiques. Donc oméga, c'est un nombre sans dimension qui représente la fraction, la proportion que représente ρm par rapport à la densité critique. De la même façon, ça, ρr, là pour le rayonnement sur ρ c, on l'appelle oméga petit r. Voilà. Tout ça, avec le signe moins, on l'appelle oméga k. C'est aussi un nombre sans dimension, on le voit. Bah, parce que simplement, il apparaît au même titre que ça, au même niveau que ça dans l'équation. Et puis tout ça, on lui donne aussi un nom, oméga lambda.
Donc ça, ce sont quatre paramètres cosmologiques qui décrivent la contribution des différentes composantes, matière, rayonnement, courbure et puis constante cosmologique, au contenu de l'univers, et tout ça rapporté à la densité critique Rossé. Par exemple, si oméga m ici vaut 1,5, eh ben, ça veut dire que rho m ici vaut la moitié de rho c, c'est-à-dire 3, l'équivalent de 3 masses du proton par mètre cube. Bon. Et ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on sait comment ces grandeurs-là évoluent au cours de l'expansion, puisque on a vu tout à l'heure que, par exemple, pour celle-ci-là, on a vu que rho m était égal à rho 0 m fois a puissance moins 3. Donc si je divise cette équation par rho c, ça me donne ça, oméga m, et ça s'écrit donc rho 0 m sur rho c fois a moins 3, et cette quantité-là, du coup, ça, on la note, oméga m avec un 0. C'est la valeur actuelle du paramètre cosmologique oméga m, si vous voulez. On fait exactement la même chose pour ça, pour ça et pour ça, et on se retrouve, au final, avec une équation de Friedmann-Lemaître qui s'écrit de la manière suivante. On arrive là au bout des changements de notation que je veux introduire. Ça s'écrit donc oméga m 0 fois a puissance moins 3 plus oméga r 0 puissance a moins 4 fois a puissance moins 4 plus oméga k 0 fois a puissance moins 2 plus oméga lambda. Alors je pourrais lui mettre un 0 ici pour être homogène, mais il n'y a pas de raison de le faire, hein. C'est que des constantes qui interviennent là-dedans. Attention, rho c ici, hein, tel que je l'ai défini, c'est une constante. Hein. Rho c, c'est une valeur qui est reliée à la valeur actuelle de la constante de Hubble, H0. Dans certaines circonstances, on peut avoir besoin de s'intéresser à une densité critique qui serait définie avec la valeur de H, du paramètre cosmologique, à un autre moment que maintenant. Moi, ce n'est pas ce que je fais ici. Rho c, pour moi, c'est relié à H0. Bon. Et on se retrouve du coup avec l'équation qui est ici. Et alors, ce qui est donc la raison pour laquelle elle est plus intéressante et plus simple à manipuler que celle d'au-dessus, c'est que déjà, c'est que des grandeurs sans dimension là-dedans. Bon, ça, c'est pas mal. Enfin, ça, ce rapport-là est sans dimension. Ça, c'est sans dimension. Ça aussi. Voilà. Et ça fait apparaître clairement la composition actuelle de l'univers. Ça, c'est vraiment, ça décrit la composition en matière actuelle de l'univers. Ça, c'est la composition actuelle en rayonnement. Ça, c'est la composition actuelle en courbure. Et puis ça, donc, en constante cosmologique. Et alors, donc, ce qui va nous intéresser, c'est de résoudre ça, de résoudre cette équation différentielle. Si vous voulez vraiment le faire apparaître comme équation différentielle, je vais le mettre sous la forme A point sur A au carré avec un A sur H0 carré. Voilà, donc on a ici un terme de dérivée temporelle de A et qui dépend de A. Ben voilà, ça c'est l'équation qu'on va s'attacher à résoudre. Je l'écris, enfin je la réécris là-haut et puis on va la résoudre dans quelques cas particuliers. Et on peut aussi encore l'écrire de manière un tout petit peu différente en multipliant tout ça par A carré et en prenant la racine carrée pour faire apparaître vraiment A point. A point est égal à A, donc je multiplie tout par A carré et je prends la racine carrée, donc on a un plus ou moins ici, j'y reviendrai tout à l'heure, H0 fois tout ça à la puissance 1,5, sachant que j'ai multiplié auparavant par A au carré, ce qui fait ici 1 oméga m 0 puissance A moins 1, plus oméga r 0 à la puissance A moins 2, plus oméga k 0, plus oméga lambda A2. Voilà. Voilà l'équation différentielle qu'on veut résoudre. Alors je vais arrêter de dire voilà l'équation différentielle qu'on veut résoudre et puis changer à chaque ligne sa forme. En fait, ce que je suis en train de faire là en réécrivant tout ça, c'est de commencer la résolution. Hein. Vous avez remarqué que j'ai un petit peu isolé ici le A point. Le A point ici, je peux l'écrire dA sur dt. Bah, la manière de résoudre cette équation différentielle, hein, là, enfin, il y a une manière qui vient vraiment très naturellement, c'est de séparer les variables. Tout ça, là, il n'y a pas explicitement de temps là-dedans, ça dépend du temps via a. En fait, c'est une fonction de a. Je vais la mettre au dénominateur ici et le dt, je vais le passer là-bas. Je le fais. Et ça me donne ça, dA sur racine de oméga m0 à moins 1 plus oméga r0 à moins 2 plus oméga k lambda oméga k 0 plus oméga lambda A2.
tout ça, c'est égal à H0 fois dt. C'est ça qu'on veut intégrer. Voilà, intégrer, c'est-à-dire on veut à la fin avoir a en fonction de t ou bien t en fonction de a. Voilà, on veut se débarrasser des différentiels. Bon. Alors on pourrait tenter sa chance, on peut tenter sa chance. Je vous invite à tenter votre chance et à essayer de résoudre cette équation différentielle-là, sachant que ça c'est une constante, ça c'est une constante. Voilà, les termes, les oméga là, ce sont vraiment des constantes. Les seules choses qui varient, ce sont a là-dedans, la variable a, et essayer de trouver finalement une primitive de la fonction qui est ici. Alors vous n'y arriverez pas, il n'y a pas dans le cas général d'expression analytique de ça. Ceci dit, ça se fait très bien numériquement, hein, c'est-à-dire que là, à la limite, le problème, il est fini. Hein. Si vous disposez d'un bon logiciel de mathématiques, vous écrivez cette équation différentielle-là, il vous la résout numériquement et il vous donne la fonction a de t ou t de a sans aucun problème. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'on est effectivement, dans certains cas, un peu obligé de faire ça. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, à partir de maintenant, c'est de trouver des situations physiquement intéressantes et dans lesquelles on peut effectivement résoudre l'équation différentielle qu'elle a. Alors je vous préviens, avertissement, ça va être des maths. Donc à partir d'ici, là, il s'agit de résoudre des équations différentielles. Hein. Donc voilà, enfin plus précisément ici, je dis équations différentielles depuis tout à l'heure, il s'agit essentiellement d'intégrer, hein. Il s'agit de trouver une primitive de cette grandeur-là. Hein. Donc je vais le faire, il va y avoir des changements de variables, pas forcément très compliqués, mais il va y en avoir, et je m'interdis vraiment pas du tout de... Je vais pas m'interdire de faire des choses un petit peu rébarbatives. Voilà. Moi, ça m'amuse de le faire. Voilà. Si ça ne vous amuse pas, ou bien vous passez à autre chose, ou bien vous passez en avance rapide jusqu'au moment de la solution. Mais voilà, moi, je vais le faire. Alors, je vais donc m'intéresser à des situations dans lesquelles certains des termes qui sont ici, des oméga ici, sont nuls. Avant de le faire, je voudrais quand même vous faire remarquer que ces quatre grandeurs ne sont pas indépendantes. Les quatre oméga ne sont pas indépendants. En effet, si vous regardez l'équation, j'en sais pas, n'importe laquelle, vous regardez la première ici, celle qui est là. L'équation du haut, là, ça c'était h carré. Si je prends la valeur de chacun des membres de cette équation, aujourd'hui, at est égal à 0. Ça vous dit, at égale 0, que h vaut h0, donc ça fait h0 carré, est égal à h0 carré, accolade, puissance accolade avec tout ce qu'il y a ici. Et je le prends à t égale 0. À t égale 0, je vous rappelle que c'est le moment pour moi pour lequel petit a vaut 1, le facteur d'échelle vaut 1. Et donc, en fait, on se retrouve simplement ici avec la somme des oméga 0. Ce qui veut dire que le h0 simplifie, ça vous dit que toute l'accolade qui est ici vaut 1. Voilà, la somme des quatre paramètres cosmologiques vaut 1. Ça, c'est vraiment par définition de ces grandeurs. Il n'y a pas de physique là-dedans. Hein. C'est la manière dont on les a définis qui conduit immédiatement à ça. Donc, ça veut dire que là-dedans, on pourrait remplacer, je vais même le faire au tableau directement, on peut remplacer par exemple oméga k0 par 1 moins la somme de tous les autres. Ce qui fait un paramètre de moins à considérer. Donc, 1 moins oméga m0 moins oméga r0 moins oméga lambda plus oméga lambda A2 égale H0 dt. Alors la première situation physique à laquelle je vais m'intéresser, c'est par exemple celle pour laquelle la contribution du rayonnement est nulle et pour laquelle on n'a pas de constante cosmologique. Alors j'ai dit que j'allais m'intéresser à des situations intéressantes du point de vue de la physique. Or là, je commence par négliger oméga lambda alors qu'on est dans un univers dans lequel la constante cosmologique n'est pas nulle. Bon, le cas que je vais considérer maintenant, il a quand même un intérêt, on va dire, pédagogique et académique, qui est qu'on peut s'intéresser à un univers dans lequel on n'aura effectivement que de la matière, donc sans rayonnement et puis sans constante cosmologique. Et ça va me permettre de montrer quelques propriétés des solutions, de la manière dont A évolue avec le temps.
Donc voilà, suivez-moi sur ça. Ça, je vais le développer de manière assez détaillée. Je ne le ferai peut-être pas pour toutes les autres combinaisons de paramètres, de choix de paramètres qu'on peut faire là-dedans. Bon. En tout cas, ici, si effectivement j'enlève ce terme-là et j'enlève ce terme-là, voilà l'équation différentielle que l'on veut résoudre. Alors, ce que je vous propose de faire pour la simplifier un tout petit peu, c'est de multiplier les deux termes ici par racine de oméga m0, c'est-à-dire d'écrire ici dA sur racine de a moins 1 plus 1 moins oméga m0. Je vous rappelle que ce terme-là est nul et ce terme-là est nul dans ce que je viens de considérer. Je les ai barrés ici, mais j'aurais dû aussi les barrer là-dedans, sur oméga m0. Et ça, du coup, c'est égal à h0 racine de oméga m0 fois dt. Donc voilà là, la grandeur qu'on veut intégrer. Et histoire de ne pas me trimballer cette fraction tout le long, là, ça va être un petit peu lourd. Le 1 moins oméga m0 sur oméga m0, ça, je vais l'appeler d'une certaine manière, ça, je vais le noter petit b. Voilà. Donc ce que j'appelle B, c'est la grandeur qui est ici. Et donc finalement, ce que je veux résoudre comme équation différentielle, c'est relativement simple. C'est racine de A moins 1 plus B est égal à H0 racine de oméga M0 dt. Alors petite remarque, vous voyez que le tableau derrière moi a changé tout d'un coup. C'est parce que je me rends compte après coup que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important pour le calcul. Là, dans tout ce qui va suivre, je vais me placer dans la situation où le paramètre petit b est positif. Les changements de variables que je vais faire tout de suite après, là, ne sont plus corrects si effectivement je prends b négatif. Donc là, pour l'instant, b est positif. Alors, je vais commencer par calculer la primitive de la grandeur qui est ici. Je ne m'intéresse pas pour l'instant aux bornes. Il va falloir effectivement, à un moment, quand on intègre ça entre deux instants, mettre des bornes d'intégration. Je vais d'abord me concentrer sur la partie trouver la primitive et j'en reviendrai aux bornes ensuite. Et alors intégrer ça, il y a certainement plusieurs manières de le faire. Moi, la manière qui me semble assez naturelle, c'est de multiplier ici en haut et en bas par racine de A. Je le fais même en direct ici, puisque j'ai racine de a dA. Ici, du coup, ça fait 1 plus ab. Et ça, ce qui vient assez naturellement aussi comme idée, c'est pour se débarrasser du dénominateur, on va faire un changement de variable, et je vais noter ab, je vais l'écrire comme sinus hyperbolique au carré d'une variable u. Alors ça peut sembler vraiment bizarre, enfin quand on a l'habitude, c'est vraiment naturel de faire le changement de variable. Si vous ne voyez pas trop pourquoi, en fait on voit vite ce qui va se passer ici. On voit que le 1 plus sinus carré hyperbolique, ça donne le cosinus carré hyperbolique. Donc avec la racine carrée, le dénominateur ici va simplement être un cosinus hyperbolique et ça va bien simplifier dans la suite. Bon. Ça c'est une question d'habitude hein, qu'on peut avoir de familiarité avec ce genre de primitive, ben voilà, on voit assez vite que ça, c'est probablement une bonne manière de faire. Bon. Alors, je rouvre ici de nouveau une parenthèse calculatoire. J'ai mentionné tout à l'heure le fait qu'il fallait que B soit positif pour le calcul qu'on est en train de faire là. Et effectivement, dans le changement de variable, AB est égal à sinus hyperbolique au carré de U. Ça n'est possible que si B, effectivement, est positif. A est une grandeur positive, ça, c'est une grandeur positive. Donc là-dedans, B doit nécessairement être positif. Si B était négatif, il faudrait faire autre chose. On verra tout de suite après quoi. Je le fais en tout cas. Quand on fait ça, donc on a A qui est égal à 1 sur B fois sinus hyperbolique au carré de U. Et quand je différencie, le dA vaut 1 sur B fois 2 cosinus hyperbolique de U fois sinus hyperbolique de U du. Et par ailleurs, j'ai besoin de racine de A ici. Racine de A, c'est 1 sur racine de B fois sinus hyperbolique de U. Bon, ben, je vais mettre tout ça là-dedans. Je vais remplacer les termes un par un. Ça vous dit que donc racine de A, c'est 1 sur racine de B, sinus hyperbolique de U, fois du, dA. dA, il est ici.
c'est 2 sur b fois cosinus hyperbolique de u, sinus hyperbolique de u, du, sur le dénominateur qui est ici, racine de 1 plus, donc AB qui vaut sinus hyperbolique au carré de U. C'est comme ça que je l'ai choisi. Bon, on a, et ça c'est égal, pardon, à H0 racine de oméga M0 dt. Et dans le dénominateur qui est ici, on reconnaît que 1 plus sinus hyperbolique au carré, c'est cosinus hyperbolique au carré. Donc tout ça, ça s'écrit simplement CH carré U. Quand je prends la racine, ça fait simplement cosinus hyperbolique de U. Et vous voyez que ce cosinus hyperbolique de U au dénominateur ici se simplifie avec le numérateur qui est là. Et on tombe du coup sur quelque chose d'assez simple, puisqu'on tombe sur 2 sur b puissance 3,5, là j'ai mis les deux termes qui étaient là en facteur, fois sinus carré u du. Et ça c'est égal à h0 oméga m0 avec une racine carrée dt. Donc voilà ce qu'on veut intégrer. Et ça, il se trouve que intégrer sinus hyperbolique au carré de u, ben ça c'est quelque chose d'élémentaire. Et d'ailleurs, la primitive de ça, je vais vous la laisser vous en débrouiller. Voilà, c'est un peu plus simple que je viens de faire là. À titre d'exercice, vous pourrez montrer que la primitive de SH carré U, c'est 1 quart de sinus hyperbolique de 2U moins 2U. Voilà. Donc la dérivée de ça, ça donne ça. Ça, ça se vérifie bien. Et du coup, quand on intègre ça, on trouve 2 sur b puissance 3,5 fois, je recopie tout ça, le 1 quart ici, ça me donne un 1,5 en facteur, sinus hyperbolique de 2u moins 2u entre les bonnes bornes, donc là je vais en venir aux bornes d'intégration, est égal à h0 racine de oméga m0 fois t pris entre les bornes d'intégration. Et là je vais commencer à en mettre des bornes une fois que j'ai fait la primitive. Je vais intégrer, je vais prendre comme borne d'intégration, je vais les écrire où? Je vais les écrire ici. Les bornes d'intégration que je vais choisir, ce sont les bornes qui correspondent à t égale à 0, c'est-à-dire maintenant, je rappelle ça c'est maintenant, à un instant t quelconque. Et du coup, il faut que je mette ici la valeur de u correspondant à a est égal à 1, puisque à t égale 0, j'ai dit que le facteur d'échelle a valait 1. Donc ici, ce qu'il faut mettre, c'est la valeur de u pour lequel a vaut 1. A est relié à u par l'équation qui est ici. Si a vaut 1, vous voyez que sinus carré hyperbolique de u, ça vaut b. Et donc u, ça vaut arg sinus hyperbolique de racine de b. Et de la même manière, quand a a une valeur quelconque, on fait exactement la même manipulation, et la valeur de u correspondant à un a quelconque, c'est arc sinus hyperbolique de racine de ab. Voilà, donc ce sont les bornes que j'ai choisies. Je vais les recopier ici. Donc ici, les bornes, c'est arg sh de racine de b, et ici, arg sh de racine de ab. Et ici, c'est entre t, un instant t quelconque, et 0. Et du coup, ça c'est bon, j'en ai plus besoin. Je l'avais laissé au tableau parce que je savais que j'en aurais besoin pour le changement de variable, pour les valeurs des bornes, mais voilà, maintenant c'est bon. Et alors, ça a l'air un peu compliqué, bon, mais il y a quand même un truc sympathique. On se dit, tiens, on voit le bout du tunnel, parce qu'ici on a quand même le sinus hyperbolique de quelque chose, alors que la borne, c'est l'arc sinus hyperbolique. Donc on se dit, tiens, si on met ça là-dedans, ça va peut-être être intéressant. Et effectivement, ça pour s'en rendre compte, on peut se rappeler que sinus hyperbolique de 2u, c'est 2 fois sinus hyperbolique de u fois cosinus hyperbolique de u. C'est-à-dire qu'ici, on a 2 shu, chu. Voilà, cosinus hyperbolique de u et là, sinus hyperbolique de u. Les facteurs 2 se simplifient là, avec ça. Donc ça, c'est... D'une part, on a les deux qui simplifient, mais ça, ce n'était pas vraiment le problème principal. Mais surtout, on voit que
Quand je remplace ici u par arg sh de racine de ab, on voit que ce terme-là vaut... Alors je vais séparer les choses en deux, je vais essayer de prendre un code de couleur qui va bien. Pour la borne supérieure ici, sinus hyperbolique de u quand u vaut arg sinus de racine de ab, ça vaut donc sinus hyperbolique de arg sinus hyperbolique de racine de ab. Or, sinus hyperbolique de arc sinus, ça vaut principal, ça vaut précisément l'argument final ici, racine de AB. Donc le terme qui est ici, il vaut simplement racine de AB pour la valeur du haut. Pour le cosinus hyperbolique, lui, eh ben, il est relié à la valeur du sinus hyperbolique par 1 plus SH carré U. Je vous rappelle que le cosinus carré hyperbolique, c'est 1 plus le sinus hyperbolique au carré. Et donc ça vaut simplement 1 plus AB, avec une racine carrée, voilà. Puisque sinus hyperbolique vaut racine de AB. Donc le terme qui est ici vaut ça, le terme qui est là vaut ça, et donc tout le crochet qui est ici, pour la valeur supérieure de l'argument, ça vaut 1 sur B puissance 3 demi, fois racine de AB, fois racine de 1 plus AB, moins U, c'est-à-dire moins arg SH, de racine de AB. Ça, c'était pour la valeur supérieure. Il faut que je retranche maintenant à ça ce qu'on obtient pour la valeur inférieure. Et là, c'est vraiment élémentaire, puisqu'on a déjà fait le calcul. La borne qui est ici, elle est obtenue en fonction de ce qu'on vient de faire ici, en prenant A égale 1. Donc, si il suffit de recopier ici tout ce que j'avais obtenu ici, le mettre avec un signe moins devant, et puis prendre A égale 1. Donc, si on obtient simplement racine de B fois racine de 1 plus B, plus arc sinus hyperbolique de racine de B. Et tout ça, c'est égal à le terme de droite qui lui vaut H0, racine de oméga M0 fois T. Voilà. Donc voilà la relation entre A et B. Je vais la réécrire. J'arrête pas de réécrire les trucs, hein. C'est un cours où essentiellement je réécris les trucs. Bon. En changeant un petit quelque chose à chaque fois, ça s'appelle faire un calcul. Et du coup, je vais le réécrire parce que le B qui est ici, on sait ce que ça vaut en fonction de oméga M et tout ça, et je vais remplacer sa valeur ici. Donc c'est parti, H0 de racine de oméga M0 fois T est égal à, je vous rappelle que B c'était, B on l'avait défini par 1 moins oméga M0 sur oméga M0, donc tout ça, ça vaut oméga M0 sur 1 moins oméga m0 à la puissance 3 demi, fois le crochet qui est ici, que je ne recopie pas. Ça, c'est vraiment le crochet qui est là. Et je l'écris comme ça, parce qu'on voit que le terme qui est ici, je peux le passer là-bas. Et ça vous dit que h0t est égal à oméga m0 sur 1 moins oméga m0 à la puissance 3 demi fois tout le crochet. Voilà. Alors l'expression qu'on obtient ici, ça nous donne une relation entre a et t, plus précisément ça nous donne ça t de a. Ça nous donne le temps en fonction du paramètre d'échelle a, du facteur d'échelle a. Alors c'est peut-être pas ce qu'on aurait voulu avoir de manière naturelle, on aurait peut-être préféré avoir a de t, semble un peu plus naturel. C'est pas du tout un problème, ça, du point de vue du calcul. En fait, si on arrive à tracer la courbe T de A, et en fait, vous prenez l'expression qui est ici avec votre valeur préférée pour oméga M0, qui vous donne le B qui intervient là-dedans et tout ça, donc vous avez tout ce qu'il faut. Vous prenez H0, la valeur du paramètre de la constante de Hubble qui vous convient, paf, et cette expression-là, vous la mettez dans un logiciel qui trace des courbes, et ça vous donnera effectivement... Ça vous donnera en fonction de A la valeur de T. Et ce que vous allez trouver dans le cas qui est ici, j'ai dit que pour T égal à 0, on avait A qui valait 1. Donc le point de départ est ici. Ça c'est T égale 0 et A égale à 1. On trouve quelque chose qui a cette tête-là. Et alors là, j'ai pris des temps qui étaient... j'ai tracé cette courbe-là pour des temps qui étaient positifs. On peut aussi regarder ce que ça donne pour des temps négatifs. En fait, cette courbe, elle fait tout ça.
Et on se rend compte effectivement que cette courbe-là s'étend vers les a et vers les petits a jusqu'à une valeur de a qui est nulle. Autrement dit, il existe ici une valeur de t pour laquelle le facteur d'échelle est nul. Et on voit effectivement que là-dedans, il y a un temps pour lequel a est égal à 0. Si je fais a égal à 0 là-dedans, je trouve que h0 fois t0, je vais appeler ça t0, est égal à oméga m0 sur 1 moins oméga m0 à la puissance 3 demi. Fois, bah, je dis a égale 0, donc la racine qui est là est nulle. Arcsinus hyperbolique de 0, ça fait 0. Et on se retrouve avec arg sinus hyperbolique de racine de b moins racine de b, racine de 1 plus b. Alors là, ça ne vous parle pas beaucoup, mais si on met encore une fois une valeur de oméga m, on connaît la valeur de oméga m, voilà, ça nous permet de calculer b, ça permet de calculer tout ça, et on a la valeur. Ça nous donne ce qu'on appelle du coup T0. Alors ici, T0 va être une valeur négative, hein, on le voit sur le dessin qui est ici, et moins T0, c'est ce qu'on appelle l'âge de l'univers. Donc ce modèle d'univers ici, avec B positif, possède un âge fini. Donc c'est la grandeur qui est ici, hein. Donc voilà l'âge de l'univers ici. C'est parti de T0 ici, ça augmente jusqu'à T égale 0, A vaut 1, donc ça c'est aujourd'hui, donc l'évolution actuelle. L'évolution entre cet instant singulier ici, moins T0, et puis aujourd'hui, c'est la partie de la courbe qui est ici, et puis ça continuera dans le futur comme ça. Alors, je vais la retourner la courbe, c'est-à-dire que je vais quand même tracer A en fonction de T, parce que c'est quand même une grandeur qui est peut-être un petit peu plus facile à appréhender. Et alors ça, je vais le faire vraiment graphiquement. Hein. Ici, si on a t en fonction de a, ben on fait une symétrie par rapport à la droite à 45 degrés qui est ici, paf, et on se retrouve avec le point qui est ici, qui est là, et puis cette courbe-là qui fait quelque chose comme ça. Et que je continue aussi vers l'arrière, voilà. Ça, c'est ce que. Alors, j'ai mentionné dans un des premiers cours, quand je parlais du vocabulaire, le mot Big Bang, le fait que le mot Big Bang était utilisé dans plusieurs contextes différents. Donc, des fois, ce que les cosmologistes appellent le Big Bang, c'est le moment qui est ici, c'est vraiment l'instant initial, la singularité initiale. Moi, j'aime pas trop le faire, mais juste, vous pourrez effectivement trouver ça. Et donc, on trouve que ces modèles-là, de manière générale, sont des modèles avec Big Bang. Là, la courbe qui est ici, je l'ai tracée pour une valeur de oméga b, de oméga 0 m arbitraire. On peut le faire pour plein de valeurs de oméga m 0. Ça, je l'ai fait sur ordi. Et là, vous voyez en ce moment ce que ça donne. Là, ce que vous voyez, ce sont les courbes a de t que l'on obtient pour différentes valeurs de oméga m, celles qui donnent b positif. Alors, je vais le préciser ça, parce que là, je dis b positif, tout ça, depuis tout à l'heure, mais b, ce n'est pas forcément une grandeur avec laquelle vous êtes habitué, mais je vous rappelle que b, c'est 1 moins oméga m0 sur oméga m0. Donc, le fait que b soit positif, ça veut dire que oméga m0 est plus petit que 1. Donc, c'est-à-dire que la densité de matière est plus petite que la densité critique, hein, c'est ça que ça veut dire ici. Donc, pourvu que oméga 0 m soit plus petit que 1, on a effectivement une courbe qui fait ça. Elle a un instant initial et puis elle va continuer. A est une fonction uniformément croissante et A tend vers l'infini quand t tend vers l'infini. C'est un modèle qui, en quelque sorte, démarre à A égale 0 et puis s'expand indéfiniment. On peut maintenant reprendre le calcul qui est ici en se plaçant maintenant dans le cas où B est négatif, c'est-à-dire dans le cas où la grandeur qui est ici, oméga m0, est supérieure à 1. Donc on dit dans ce cas que l'univers est surcritique, sa densité est plus grande que la densité critique. Ça, c'était un univers sous-critique. Si maintenant on prend un univers surcritique, on peut reprendre tout le calcul qu'on a fait depuis tout à l'heure. Ce que ça change, alors je ne vais pas le refaire en entier le calcul, mais je vais simplement vous indiquer les quelques points où on a des changements. Vous aviez un moment, hein, on avait un dA sur racine de 1 plus AB qui apparaissait. Et on devait intégrer ça et j'avais écrit que AB était égal à sinus carré hyperbolique. J'avais mentionné, après coup, que ça ne marchait que si B était positif. Dans le cas B négatif, effectivement, on ne peut pas faire ça. Mais en revanche, ce qu'on peut faire quand AB est négatif, c'est écrire que ça, c'est égal à moins sinus carré un angle de U. Voilà, je vais appeler U de nouveau la nouvelle variable qui est ici. Donc je pose cette fois-ci AB est égal à moins sinus carré U.
Et on s'aperçoit que du coup, la racine carrée ici, ça fait racine de 1 moins sinus carré, donc ça fait un cos u au dénominateur. On différencie ça pour trouver dA égale, et on trouve l'expression de dA qui fait aussi intervenir des sinus et des cosinus. Et on voit que de la même manière que tout à l'heure, ça simplifie assez bien, et on tombe ici sur à intégrer sinus carré de u, du. Avec de nouveau un 2 sur sinus 2 sur b puissance 3,5. Alors cette fois-ci, c'est moins b puissance 3,5. Alors on tombe sur ça et on peut effectivement faire le calcul comme ça, continuer à le mener et arriver à des expressions de ce type-là. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est qu'on trouve vraiment des expressions très similaires. Simplement, ce qui change, c'est que vous avez les sinus hyperboliques qui deviennent des sinus, les arcs sinus hyperboliques qui deviennent des arcs sinus. Fonction sinus inverse, et vous avez quelques signes qui changent aussi là-dedans. Alors ça, je vous laisse le faire, hein, donc c'est vraiment un excellent exercice pour voir si vous avez un peu suivi la manip. Refaites les manipulations dans le cas où B est négatif, et moi je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des courbes qui sont ici. Alors on obtient cette fois, ici, une courbe qui fait ça. Quand on a t en fonction de a, parce que c'est ce à quoi on arrive. Donc, qui part effectivement, il y a aussi un point singulier, un point pour lequel un temps pour lequel a vaut 0. Donc, on peut refaire la manip qui est ici et évaluer l'âge de l'univers en fonction des paramètres qu'on a mis là-dedans. Et puis, ça tend vers une asymptote. Il y a un point pour lequel la tangente est verticale ici. Et donc, voilà, on a une autre sorte de singularité dans la courbe qui est ici. Et du coup, ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut. J'ai assez vite zappé depuis tout à l'heure le signe plus ou moins qui apparaissait en face ici dans le calcul. J'ai pris le signe plus dans toute la suite. Ça, c'était parce que je m'intéressais à un univers qui est en expansion, un univers pour lequel dA sur dt était positif. On sait aujourd'hui que l'univers est en expansion, donc A est une grandeur qui augmente. Donc implicitement, je me suis mis dans le cas où dA sur dt était positif. Donc ça mène nécessairement au signe plus et ça mène à la courbe jaune qui est ici. Mais. Dans le futur, peut-être que l'univers pourra passer dans une phase où effectivement le dA sur dt est négatif, où l'univers pourrait être en train de se recontracter. Ben, c'est exactement le cas qui est ici, là. Là, vous voyez, alors je vais peut-être le retracer ici, ça sera peut-être un peu plus facile à voir en mettant A en fonction de t, non pas t en fonction de A. Vous avez ici un point qui part d'un instant initial, entre guillemets, avec une taille nulle, un facteur d'échelle nul en tout cas. Vous avez le facteur d'échelle qui augmente quand t augmente. Ça arrive ici avec une dérivée nulle. Et à partir de ce moment-là, bah, l'univers continue d'évoluer avec une dérivée négative, donc l'univers se met à se contracter, et il faut reprendre le calcul en mettant un signe moins dans tout ce qui précède là, et vous obtenez une description de cette deuxième partie de l'évolution ici, avec une expression qui ressemble vraiment à celle que vous venez de trouver vous-même, voilà, et ça se fait vraiment très bien. Et fait remarquable, sur lequel je ne vais pas avoir le temps de m'appesantir, mais on peut montrer que la courbe qui est ici, c'est une cycloïde. Voilà. Elle a un nom particulier, elle a des propriétés particulières, et on peut montrer qu'on peut mettre cette courbe-là en fonction de t comme une courbe paramétrique qui est l'équation d'une cycloïde. Bon. Et donc le fait remarquable, c'est que du coup, quand b est négatif ou quand oméga m est plus grand que 1, on a un univers pour lequel ici A est égal à 0, l'univers s'expand, atteint une taille maximum, le facteur d'échelle atteint une valeur maximum, puis se met à décroître pour atteindre de nouveau une valeur nulle. Donc ça a un nom. L'événement qui est ici pour lequel le facteur d'échelle redevient nul, ça s'appelle le Big Crunch. C'est le pendant du Big Bang, en quelque sorte, qui est ici pour ceux qui appellent cet événement le Big Bang. Et donc on voit ici que selon le contenu de l'univers, selon que oméga m est plus grand ou plus petit que la valeur critique aujourd'hui, eh ben on peut avoir un univers qui évolue de manière infinie, qui continue indéfiniment à augmenter au cours du temps, et un univers au contraire qui finit par se cruncher. C'est le terme technique en anglais, to crunch, et je vais l'adopter en français aussi. Si vous vous intéressez à la limite entre ces deux situations, la limite pour laquelle oméga m est égal à strictement
la limite dans laquelle oméga m0 est strictement égal à 1, bah, je vous invite aussi à reprendre le calcul. Et ça, en fait, ça se fait vraiment très bien. On peut le faire à partir de l'équation de Friedmann. Je vais aussi vous indiquer une piste pour le calcul. Peut-être même que dans mon élan, je vais le faire. Alors, on a vu que A point pouvait s'écrire H0 fois oméga M0 A puissance moins 1 plus oméga R0 A puissance moins 2 plus oméga K0 plus oméga lambda puissance A2 fois A2, le tout à la puissance 1/2. Et depuis tout à l'heure, on s'intéresse à une situation dans laquelle il n'y a pas de rayonnement, donc ça c'est nul. Il n'y a pas de constante cosmologique, donc ça c'est nul aussi. Et de plus, là, je suis en train de vous parler de la situation dans laquelle oméga M0 est égal à 1, le régime critique. Or, comme la somme des paramètres cosmologiques, ici, ça plus ça doit faire 1, bah, si lui il vaut déjà 1, ça veut dire que lui il vaut 0. Donc on est du coup ici dans la situation où il n'y a pas ce terme-là non plus. Donc là, c'est vrai. Donc là, c'est vraiment super simple comme situation. On a A point qui est égal à H0 racine de oméga M0 fois A puissance moins 1/2. Lui, je le passe de l'autre côté. Ça fait racine de A fois A point, c'est-à-dire dA sur dt, est égal à H0 racine de oméga M. Racine de oméga M, je ne vais peut-être pas me le traîner tout le long parce que ça fait 1 dans ce que je viens de dire. Donc lui, il vaut 1. Donc je le mets pas aussi, puis je l'efface ici d'ailleurs aussi. Voilà. La primitive de racine de A, ça fait A puissance 3 demi avec un 2 tiers devant. Voilà. Donc je veux intégrer ça entre, bah comme tout à l'heure, pour t égal à 0 ici, je vais avoir A qui vaut 1. Et puis je vais prendre A pour la valeur. Je vais dire que. Ici, j'intègre entre jusqu'à A et donc ici jusqu'à T. Et ça vous dit que 2 tiers de A puissance 3 demi moins 2 tiers est égal à H0 fois T. Et donc ça vous donne ça la relation entre T et A. On peut aussi d'ailleurs l'inverser, trouver A en fonction de T dans ce cas-là, ce qui n'était pas le cas avant. Et on trouve une courbe ici qui sépare les deux régimes. Ça, c'est donc oméga M0 est égal à 1. Et donc, ça sépare les deux régimes, celui pour lequel on a un univers qui se referme et qui se recontracte, qui est une phase de recontraction, des univers pour lesquels il n'y en a pas. Alors, je vais profiter de ces calculs-là pour vous montrer aussi un petit peu comment on réagit en tant que physicien quand on fait ces calculs-là. Parce que je vous montre tout un tas de résolutions d'équations, on trouve un truc avec des arcsinus hyperboliques, des machins. On peut se tromper, on se trompe, enfin moi quand je le fais, je me trompe régulièrement, voilà. Et il y a des trucs en fait pour vérifier ces équations-là, pour un peu s'assurer qu'effectivement on s'est pas trompé et qu'en tout cas le résultat qu'on trouve n'est pas complètement débile. On avait trouvé tout à l'heure que T, H0 fois T, on avait trouvé ça dans le cas où. Dans les cas où oméga M0 était inférieur à 1. On a par ailleurs trouvé une expression simple pour laquelle, dans le cas où oméga M0 était égal à 1. Et donc je parlais du réflexe du physicien, et ben on se doute que lorsque oméga M va tendre vers 1 dans la situation qui est ici, on va retrouver la courbe rouge qui est ici, c'est-à-dire celle pour laquelle oméga M0 est égal à 1. Donc une vérification vraiment super importante à faire, c'est de prendre cette expression-là et de regarder ce qu'elle donne dans la limite où B tend vers 0. Puisque donc B égale 0, la situation oméga M est égale à 1, ça correspond à la valeur 0 pour B. Donc on peut vérifier effectivement que la limite de ce résultat-là, lorsque B tend vers 0, donne bien le résultat que nous avions trouvé lorsque B était rigoureusement égal à 0, c'est-à-dire lorsque oméga M0 était égal à 1. Alors je ne vais pas le faire ici, je vous indique juste comment on fait, hein, mais ça c'est encore une fois, c'est un exercice qui n'est pas inintéressant, c'est juste que je ne vais pas non plus passer 2 heures au tableau à faire que des calculs de ce type-là, mais essentiellement ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un développement limité, par exemple de la grandeur qui est ici. Lorsque B tend vers 0, ben ça s'écrit 1 plus 1 demi de AB.
lorsque b tend vers 0. Ça, j'ai fait ici le développement limité de 1 plus ab, le tout à la puissance 1,5, lorsque b ici tend vers 0. Donc on trouve ça. Vous allez faire le développement limité aussi de l'arc sinus hyperbolique qui est ici. Et alors ça, on peut montrer que le développement limité de l'arc sinus de ça, c'est racine de ab moins ab puissance 3,5 sur 6. Voilà. Je vais ici simplement à l'ordre le plus bas, juste pour vous montrer ce qui se passe. Et vous voyez du coup là que quand vous faites racine de ab fois ça, tout le terme qui est ici, là, il vaut du coup racine de ab plus 1,5 de ab puissance 3,5. Le 1,5 il vient de là, ab fois racine de ab, donc ça fait ab puissance 3,5. Et du coup, quand vous faites ça moins ça, vous voyez que ce terme en racine de ab se simplifie avec celui-là. Ces deux-là se combinent ensemble. Vous avez du coup quelque chose qui est en b puissance 3,5. Et vous vous souvenez que ce terme-là, là, ça c'était quelque chose qui était aussi en 1 sur b puissance 3,5. C'était précisément, si je multiplie en haut et en bas par racine de oméga m0, le terme qui est ici, donc il est vraiment donné par ça. Et dans le développement limité, dans la première partie du développement limité ici, vous voyez que le terme d'ordre le plus bas en B, il est en B puissance 3,5, il simplifie avec celui-là. Donc finalement, ce terme disparaît, on a quelque chose qui ne dépend plus que de A. Et puis du coup, les termes suivants d'ordre plus élevé en B, ben, eux, c'est les puissances plus grandes de B, donc ils vont tendre vers 0 quand B tend vers 0. Autrement dit, le terme finalement qui reste quand on fait tendre B vers 0, vous avez ici quelque chose qui se calcule bien, vous avez du A puissance 3,5, et c'est exactement le a puissance 3,5 qu'on avait effectivement obtenu lorsque oméga m 0 était égal à 1. On peut le faire précisément à ce calcul et ça marche vraiment très bien. C'est pas le calcul en lui-même ici qui m'intéresse, mais c'est vraiment la démarche. On a un ensemble de courbes ici avec un paramètre qui tend vers une valeur et on a la chance de pouvoir calculer aussi la courbe correspondant à cette valeur limite. Et on peut du coup s'assurer que la forme qu'on trouve ici est compatible avec cette limite. Alors ça ne nous prouve pas que l'expression qui est ici est juste, hein. Ce n'est pas une preuve du tout. On pourrait très bien avoir une expression fausse qui a la même limite que la bonne expression et on s'est trompé. C'est quand même un petit peu, c'est quand même bien rassurant hein, que ça marche parce que vous avez vu le calcul, si on s'est trompé dans un signe quelque part ici ou on s'est trompé dans un facteur 1,5 quelque part, et ben voilà, la moindre petite erreur là-dedans va effectivement vous foutre en l'air la limite hein, finalement. Il faut vraiment se tromper à différents endroits de la même manière et de manière assez subtile pour qu'on retombe avec une expression fausse sur la bonne limite. Donc ça, le physicien, ça le rassure hein, vraiment de faire cet exercice de limite là. Je l'ai fait pour les valeurs de B positives. On peut vraiment le faire aussi pour les valeurs négatives. Hein. Les expressions jaunes, là, celles qui font intervenir les sinus à la place des sinus hyperboliques. On peut aussi faire tendre B vers 0 dans ces expressions-là, et on va encore trouver la même chose. C'est aussi une vérification possible. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer qu'on peut effectivement calculer le facteur d'échelle A de T dans le cas d'un univers ici qui ne contient que de la matière. Bon. Je vais maintenant m'intéresser à d'autres configurations. Je vais reprendre l'expression générale de l'équation de Friedmann, et puis vous indiquer les autres situations qui peuvent être intéressantes. Je ne vais pas refaire tous les calculs aussi détaillés pour tous les cas, hein, parce que c'est un petit peu long. Ce n'est pas forcément difficile, hein, finalement. C'est des changements de variables qui sont toujours assez similaires, mais c'est un petit peu long à faire. Donc, alors, l'équation de Friedmann s'écrit de la manière suivante. Je vais l'écrire sous la forme... Je vais l'écrire sous la forme qui fait intervenir A comme ça. A point est égal à H0 fois oméga M0 à la puissance A-1 plus oméga R0 à la puissance A-2 plus oméga K0 plus oméga lambda fois A2. Le tout à la puissance 1,5. Voilà. Ce qu'on vient de faire, c'est on a négligé, enfin plutôt on a supprimé le terme qui est ici, on a supprimé celui-là. Bon. D'autres situations qui sont intéressantes en pratique, donc je vous rappelle qu'on vit dans un univers
dont on a des bonnes raisons de penser qu'il est plat. Donc là, je vous le dis, hein, je n'ai pas encore du tout donné d'éléments pour ça. On verra dans la suite du cours de cosmologie comment estimer la courbure de l'univers. Voilà. Mais je vous donne déjà le résultat. Voilà, on peut faire les calculs avec, en gardant la constante, en gardant la courbure. Et puis on s'aperçoit à la fin qu'en fait, la valeur qu'on trouve pour la courbure, elle est nulle. Donc juste là, pour ce que je veux dire dans la suite du cours d'aujourd'hui, ça, on a des très bonnes raisons expérimentales, observationnelles, de penser que c'est zéro. Donc je l'enlève. Et il nous reste ça. On a trois paramètres là-dedans, dont la somme fait 1. Je vous rappelle que la somme des paramètres cosmologiques fait 1 à considérer. Et donc, ce qui est remarquable, c'est que dans l'univers dans lequel on vit, il est tel que les termes qui sont ici n'ont pas tous la même importance en même temps. Ça, j'ai tracé déjà une dernière fois l'évolution des grandeurs qui sont ici. Donc, en fonction de A, si je trace ça en diagramme logarithmique, par exemple, je trace l'évolution de ces différentes grandeurs. Ça, c'est quelque chose qui croît avec A. Ça a une pente 2 dans un diagramme logarithmique. Donc ça va être les différents oméga. Ça, c'est oméga lambda. Vous avez ici ce terme-là, la matière qui décroît, et qui décroît avec une pente de 1. Ça, c'est oméga m. Et vous avez ce terme-ci qui décroît plus rapidement avec une pente de 2. C'est en blanc aussi, qui fait quelque chose comme ça. Voilà. Et alors, c'est, une fois que j'ai tracé les deux premières, celle-ci, on aurait pu la mettre là, ou là, ou là. Ben voilà, nous, l'univers dans lequel on vit, si on se met à t égale 0, alors évidemment, j'ai pris une pente qui était trop grande pour ce que je vous montrais ici. Voilà, mais je vais le refaire un petit peu mieux. Je toque. Aujourd'hui, nous, on est quelque part ici, A égale 1, voilà. Et dans la situation actuelle, donc les valeurs qui sont ici, ce sont les oméga 0, donc oméga m0 est là, oméga r0 est là, et la valeur d'oméga r0, elle est vraiment beaucoup plus petite que les deux autres. Donc si on s'intéresse, comme je le mentionnais au début du cours, à des temps qui sont relativement récents, donc si on ne va pas très loin dans le passé, en fait, la contribution blanche ici, on peut complètement la négliger. Donc la première situation intéressante à laquelle on peut s'intéresser, c'est oméga r 0 est égal à 0. Je le néglige. Et donc ça, c'est, je vais appeler ça la cosmologie récente. Récente avec des gros guillemets. Hein. On voit aussi sur ce diagramme que si à l'inverse, on va vers les a de plus en plus petits, la constante cosmologique a une contribution qui devient de plus en plus petite en valeur relative par rapport aux autres. Et en particulier, si on s'intéresse à cet événement-là, quand l'univers était dominé par le rayonnement et devient tout d'un coup, son évolution devient dominée par la matière, et ben, à cette époque-là, si on s'intéresse à ce qui se passe ici, on n'a plus besoin de considérer la constante cosmologique. Elle, c'est sa valeur à elle qui est négligeable à ce moment-là. Donc du coup, on peut aussi essayer de résoudre pour ça, pour étudier cette période-là. On s'intéressera à l'équation qui est au-dessus, mais en prenant cette fois oméga lambda qui est égal à 0. Donc on ne prendra que les deux termes qui sont ici. Et bien ça se fait bien. Donc dans les deux cas, hein, je vais écrire les équations différentielles qu'on trouve. Ça nous dit, donc la cosmo récente, ça nous dit que A point est égal à H0 fois, et j'ai dit que c'était le rayonnement qu'on mettait à 0, donc on se retrouve ici avec simplement oméga m0 fois a moins 1 plus oméga lambda a2 puissance 1 demi. Alors que dans la situation où on s'intéresse ici au croisement que j'avais indiqué, je vais l'appeler équivalence matière-rayonnement. Équivalence matière-rayonnement, dans cette situation-là, on va plutôt tâcher de résoudre ça. H0, et cette fois-ci, c'est lui qui devient nul, et on a oméga m0 puissance a moins 1 plus oméga r0 puissance a moins 2, puissance 1,5. Voilà. Et là, on peut vraiment suivre les mêmes étapes que celles que j'ai indiquées tout à l'heure. Ça, le faire passer par là, séparer les variables, faire des changements de variables qui vont bien. Voilà. Alors je vais pas le faire en détail là dans l'épisode de maintenant. Ce que je vous propose, c'est que
Je vais le sortir de l'épisode et le faire dans un petit épisode à part. Je filmerai ça juste après. Pour ceux que ça intéresse, ils iront voir le calcul. Le calcul. Pour les autres, je vais simplement conclure ce que je vous ai raconté aujourd'hui en vous disant en vous donnant quelques généralités sur les paramètres cosmologiques qui sont là, oméga 0, m, oméga lambda, etc. Alors pour ça, donc, dans l'équation qui est ici, la question se pose, quelles sont les valeurs des grandeurs qui sont ici? Quelles sont les constantes? Quels sont les paramètres cosmologiques de l'univers dans lequel on vit? En fait, de quoi est fait l'univers dans lequel on vit? C'est une question essentielle en cosmologie. Alors, il se trouve que parmi toutes ces grandeurs, il y en a une qu'on peut mesurer de façon assez directe. C'est celle-là. Ça, on peut le mesurer assez facilement puisque c'est du rayonnement. Le rayonnement, on l'observe, c'est le truc le plus facile à observer dans l'univers. Essentiellement, c'est dans l'univers qui nous entoure, c'est du rayonnement dans le domaine des micro-ondes. Ça, j'expliquerai longuement dans le détail dans la suite du cours pourquoi. Mais voilà, ça, on le voit et on sait à peu près combien ça vaut. Alors précisément, ce qu'on mesure, c'est la densité d'énergie, hein, c'est le rho c. Aujourd'hui, dans l'univers qui nous entoure, on peut aussi évaluer la densité critique. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. En faisant le rapport, on trouve que ça, c'est de l'ordre de 10 moins 4. Voilà. Donc ce nombre-là est de l'ordre de 10 moins 4. Pour les deux autres, je montrerai plus loin dans le cours comment est-ce qu'on les calcule, mais les valeurs qu'on trouve, ça c'est plutôt de l'ordre de 0,7 et ça de l'ordre de 0,3. Donc vous voyez que pour des valeurs de A qui sont assez proches de 1, donc si on considère un univers assez récent, et ben ce terme-là effectivement est petit devant les autres. Du coup, comme cette valeur-là est bien connue, souvent ce qu'on voit représenté dans des ouvrages ou des articles de cosmologie, c'est dans un plan qui représente oméga m 0 et puis oméga lambda ici. Et ben, en fait, on place les paramètres cosmologiques dans ce plan-là, c'est-à-dire qu'un univers avec un univers est décrit par le choix de ces deux grandeurs-là. Et très souvent, une expérience de cosmologie qui permet de faire des mesures, qui permet d'inférer indirectement les valeurs des paramètres cosmologiques, ne vous dit pas, tiens, paf, on est dans l'univers qui est ici, avec ici 0,3 et 0,7. Ça, c'est les valeurs que j'ai indiquées là. Ça ne vient pas d'une expérience. Il n'y a pas une expérience qui vous dit ça. Alors, ça pourra éventuellement changer dans le futur avec des expériences de plus en plus précises, mais les expériences, ce n'est pas ça qu'elles vous font. Souvent, elles sont sensibles à une certaine combinaison des paramètres. Et vous avez, par exemple, les expériences qui observent le rayonnement de fond diffus cosmologique qui vous disent plutôt, bah voilà, les paramètres, ils sont plutôt dans cette région-là, paf. Et puis, eu d'autres expériences, par exemple, celles qui observent les supernovées lointaines, qui vous disent, bah voilà, bah, elles sont plutôt là-dedans. Enfin, les paramètres cosmologiques sont plutôt là-dedans. Et puis, du coup, en recoupant différentes expériences, il y a une zone commune avec toutes ces tâches-là. Et puis, ça donne la région dans laquelle, très probablement, se trouvent les paramètres cosmologiques. Et c'est cette région-là qui est centrée sur les valeurs que j'ai indiquées ici. Ça, la détermination des paramètres cosmologiques par des expériences, ça, je vais vraiment y passer du temps dans la suite. Alors je m'arrête ici pour cette partie-là, et puis je vous donne rendez-vous pour ceux qui s'intéressent tout de suite après pour le calcul des deux primitives que j'ai laissé tomber dans ce qui précède.